vas-y, bouclier. Je pense que c'est mieux que la lame contre le Darius. Je me sens bizarre sur ma chaise. C'est comme si ma position n'était pas comme d'habitude. Elle est bien baissée comme d'habitude. Ouais. Ouais, c'est juste un feeling de première game, c'est bon, c'est rien. Dans le buisson à chaque fois parce que Darius Xin quoi. Mais bon là c'est bon, ils viendront pas. Je passe pas par le tri parce que Darius. Je voulais voir s'il avait plaque d'os. La line n'est pas bien posée. Je suis pas sûr d'avoir tous les creeps là-dessus. Et je peux facilement mourir sur un gank. Là, c'est le moment parfait pour que Xin débarque. C'est bon, il débarquera pas. Oh, ok. Jungle joue pas Scarap, Xin était à l'opposé. Attends, je l'ai bloqué là. J'ai bloqué le Carap. J'ai perdu deux mêlées. J'ai perdu deux mêlées pour un Carap, ça me paraît ok comme trade. Le truc c'est que le Xin allait faire double Carap en fait. Du coup je voulais lui deny ça, et Cole l'aurait pas eu dans tous les cas. Ah je peux me faire all-in là. Ok non il veut pas. Le slow est pas passé. Ça mènera à rien. Est-ce qu'il va se faire turn? Je suis obligé de faire des petits droits de gauche sinon il va se faire traîner. J'aurais même pas pété le ghost à la place du Darius, j'avais pas mon slow placé sur lui, on pouvait plus ou moins rien faire. En vrai, s'il y avait Xin en contre-gang, c'était la merde. J'étais pas dedans! Ça vaut le coup de claquer la pote.
Là, il y a un truc à faire par contre. J'étais pas dedans! Je jure que ce truc il va un peu au-delà de sa de sidebox. Ça pète les couilles. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Quelle est la reset? J'ai pas envie de reset là-dessus. Si j'ai suffisamment de crit, j'ai le temps de dégager la wave avant qu'il revienne la freeze. Avec des mouvements comme ça, ça va être compliqué. J'ai un solide de farm, je pourrais faire un abatteur. Vas-y. On va farm. Je suis bien là en vrai. J'ai tellement de 16 d'avance, j'ai un abatteur. J'ai Trinda donc je scale. Par contre leur team comp elle fait peur, elle est grave meilleure que la nôtre je trouve. La nôtre faut qu'il y ait un hyper carry ultra feed et que Yumi se pose dessus et que ça joue les catch en boucle. Mais le truc c'est quoi ouais, voilà. Dès que ça va jouer de manière un peu coordonnée, leur team elle est tellement meilleure, bah ils ont des CC quoi. Tous leurs persos, ouais tous leurs persos ont du hard CC. Ah, j'aurais dû taper celui-là en même temps. Il va y avoir un bounce. La line va être bien posée pour un gank encore. Oh. Bah ghost contre ghost. Hein. Ah là, ce match-up. Je n'étais pas dedans. Oh putain, je déteste Darius. Son Q était là, j'étais là! Va y avoir un bounce ou pas? Non, va même pas y avoir de bounce. Et je pouvais pas revenir contester le push avec Zin de mon side. Ah, je vais perdre le CS lead que j'avais sur lui, c'est dommage. Fuck les skillshots qui indiquent pas la vraie hitbox. C'est comme le Q de Mundo, ça va plus loin. Y'en a plein des trucs comme ça. Après Mundo c'est pas pareil parce qu'il y a que le joueur de Mundo qui le voit. Ah ouais. Là c'est le moment où le support il bouge mid et il bouge top et mon AD carry se fait comme out farm. Après c'est normal qu'on se fasse dominer en early lane, on a Yumi.
Oui, c'est pas fait pour gagner la lane. Alors que y a Nami, pardon. Nami, c'est un peu un Draven, mais en support. Les gens s'en rendent pas compte. Du coup, ils se disent que c'est une petite sirène toute gentille, mais... C'est un putain de lane bully, ce perso. C'est le support auto-win de lane. Il m'attend pas. Putain, ça fait chier, j'ai pas accès au golem. Je maintiens une avance au CS, malgré ce qui s'est passé, ça va, c'est cool. Puis j'ai la batteur, faut pas oublier ça. Si Yumi Echo commence à se feed et à devenir hors de contrôle, on a une win condition très facile à mettre en place. Mais bon, c'est cheese quoi. Et lui, il va péter les couilles. Ça fait un gore drinker. Il faudra peut-être une marque du bourreau avant le mythique. Ouais, non, je pense pas le mythique, c'est plus important. J'ai déjà pris du retard avec l'abatteur. Si ça me touchait là, je pétais un câble. Si son Q me touchait là, je devenais dingue. Là, il y a un truc. Parce que là, s'il me gank, c'est pas juste le jungle qui me gank, c'est aussi la Yumi. Nice, ça touche. J'ai rien eu à claquer en plus de ça. Peut-être avoir le temps de récupérer des plaques s'il n'y a pas le Xin. Je pense pas que je puisse dive le Xin, il a un gore. Putain, il a déjà un gore. Jungle OP. Non, il est bot. Darius doit vite revenir avec les homeguards plus les bots tier 2. Ah, si je grid la troisième plaque, il revient et je suis baisé. J'ai accepté de garder toute cette une sur moi, tant pis. Le problème de leur team, c'est que si ils nous forcent dans des teamfights dès le mid-game, on a tellement perdu. En fait, faut que tout le mid-game soit arnaqué par Echo et Yumi pour nous gagner du temps. Parce que quand une équipe groupe en mid-game contre une autre équipe, c'est très simple, c'est l'équipe avec le plus de CC qui l'emporte. Et nous ne sommes pas l'équipe avec le plus de CC. Je n'étais pas dedans, je n'étais pas dedans, je n'étais pas dedans, je n'étais pas dedans, je n'étais pas dedans. Riot fixait ça. Je n'étais pas dedans. Peut-être un rotate mid à Calais. En soi, leur top a pas de TP. Hein. Ok, je dis qu'il fallait pas grouper en mid game, mais si on est en 5v4. On est pas trop en 5v4 en fait. Je sais pas ce qu'ils branlent le Yonet. Ah, mais je suis en place sur le pick. Ok, il se fait collapse. Je jure que dès que je croise un Xin, depuis un moment là, depuis qu'il est revenu populaire ce champion, j'ai l'impression de taper sur un Malphite. Le truc est intuable. Ah, le teamfight se désengage. Mais... Ah, mais ça rebondit ce dragon de con.
Ouais, j'ai Waste mon Ghost du coup. En fait, dans ma tête, j'allais prendre le reset de Ghost sur le Xin, et avec le reset de Ghost, j'allais buter la backline, la botlane. Mais la botlane s'est cassée. Pourquoi il fait ça? Ok, ça passe, peut-être. Ah ouais, non, il fait pas gore, il fait une breaker. Ça m'était sorti de la tête que cet item existait. Alors qu'en ce moment, c'est pas ce qui manque. Mais c'est parce qu'il a fait un rubis aussi, c'est pour ça que j'ai pas compris. Il a fait un phage et il a fait un rubis à côté. Du coup, je m'attendais à un gore, mais non, il va faire un truc genre Trinity Hullbreaker. Non! Sérieux, ça rend le canon si tanky que ça? Je pensais qu'avec les dégâts bruts, jamais j'allais le louper, genre. Il a le ghost et moi non, ça peut tout changer. Est-ce qu'on ferait pas un Herald? J'ai la prio. Oh! Je me place là. Elle m'a bien wardé. Et elle m'a retiré la plante. Je ressens de la malveillance dans cette Nami. On s'est wardé ici, il y a une pink dans leur entrée aussi. Il y a le Ghost Advantage, ça peut tout changer. Ok, j'ai un slow sur lui, je pense qu'on le tue pas. Mais... Ah, le bon stun. Bon, j'ai la tourelle là-dessus, nice. Voir si la Gromp retire leur pink aussi. Dommage. Faut une marque du gros. Il y a déjà du gore drinker stacking en face là. Marque du bourreau, une Tunavori. J'ai peut-être un peu peur de manquer de MS sans faire de zèle, mais je sais pas, on a l'utilitaire de la Yumi, ça devrait le faire. Personne. Ah, il a plus de flash. Ah, si je mets maintenant. Ok, fine, j'avais un ignite sur la gueule, j'allais prendre plus cher. J'ai perdu mon flash mais pas mon ghost. C'est ok. Oh, je peux attendre un peu pour la pioche. Plus faut que je régène. Je vais bot. Allez, je vais bot. Là, faut vraiment que je respecte. Il a les 200 d'avocateur de up et j'ai pas d'ulti. J'ai déjà pas mal avancé sur les Navori, c'est cool. Mais je comprends pas Xin, je trouve ça si tanky. J'ai l'impression que c'est le bruiser le plus tanky du jeu là sur ce patch. Mais je pense que c'est une impression faussée par le Smite Raid. Le vilain Smite Raid. On m'attend pas là-dedans. Malzahar est top, mais la TP. Je vais vraiment pas m'approcher. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah ouais, à ce point. Je suis mort. Ah, je pourrais rien faire comme ça. En vrai, c'était bien joué.
Ah. Ah, ça, je pouvais pas trop m'y attendre. Dommage, on aurait pu pressurer la soul avec ce Drake. Eldarius, il récupère un kill, il était complètement sorti de la game, c'est dommage, ça va le remettre pas au coude à coude avec moi, mais voici un peu quand même. Incident. Ah, il fallait en 4v5, on a perdu le Echo, c'est le mec le plus feed. Darius va faire un pentakill, on va perdre le Nashor, la game est perdue, GG. Pourquoi ils ont fight? J'étais mort, je peux rien y faire. Je pense pouvoir les empêcher. Ils ont pas de smite. Ah non, Malzahar il a récupéré l'ulti, c'est pour ça il reste. C'est bien ce qui se passe. Je leur deny le Nash, c'est au moins ça. Enfin, je crois. Je sais pas s'il a reset. C'est bon, il a reset. Bon, c'est un 2 pour 4 et ils prennent pas le Nash. Mais ça pète les couilles, putain, le Darius il était tellement sorti, maintenant il a un putain de bounty. Et le Echo, il a un Medja et du coup là il a perdu tellement. Moi j'ai besoin des Navori pour Spike. Tant que je les ai pas, bof. Ah ouais, il a tellement de stuff. Après il perd les stats de son Breaker en fight, mais bon. Ah mais la Yumi elle s'est mise sur moi. S'ils se font attraper on perd le Nash. Ah. Suivante. Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Y'a vraiment plus rien. Il a dû revendre son Medjay. La Yumi aurait dû rester sur le Echo. Elle s'est mise sur moi, ça coûtait tellement cher. Et là le Darius va être complètement instoppable. Et je suis le seul... Ah mais j'ai compris le problème. Enfin c'est pas que ça, mais je suis le seul putain d'antil de la partie. Pourquoi je suis le seul putain d'antil de la partie contre autant de sustain? Je m'étonne que le Xin est intombable. Le shot donne en side avec Yumi Echo. Prochain Drake, je cours sur Malzahar, pardon, j'imagine. Darius est trop tanky, Xin pareil. Xayah a son ult. Je pense que vraiment tunnel la. Tunnel de Malzahar, c'est le mieux que je puisse faire. Ok. Le truc c'est que j'ai pas le ghost pour le fight qui arrive, du coup je vais certainement me faire balader. Et ça va être triste. Mmh.
Non, j'ai auto de ses creeps. Si je mettais l'auto sur Malzar, il était mort. Ah, j'ai fucked up. Ok. Ah, oh, j'ai auto de ses creeps, bordel, je suis trop nul. En vrai, le résultat des courses a pas l'air horrible. Oh, elle fait mal. Après, elle a pas de DPS. Vu qu'elle joue l'état. Oh, je suis passé à rien d'un double kill. Heureusement que... Putain, ça aurait pu être terrible. Heureusement que ma team était pas mal. Donc, qu'est-ce que j'achète? Je sais pas. Je pense que de l'AMS ça fera le taf. Hein. Là, si j'avais eu un peu plus de MS sur le dernier fight, j'aurais pu tuer les deux sans difficulté. Mais bon, c'est parce que j'avais pas le ghost aussi. Je pourrais partir du principe que je fight uniquement quand j'ai le ghost. Et du coup, partir sur une IE. Il y a nos flash sur l'anami. Je me suis fait exhaust par la Xayah aussi. En vrai, j'ai cramé beaucoup de trucs. Par sur un stuff full les MS. Ok, j'ai assez pour le rappel. Plus d'anti-heal et j'aurai de la MS avec le Kraken, enfin de la S. En même temps, il a pas le choix. J'allais dire cimetière mercuriel, ça existe pas comme item, mais bon, il y a Malzar quoi. Vraiment pas que j'aille là, y'a personne sur la map. Je sais pas s'il a les 200 d'invocateur de up, il a full de. Il a full MS, ça pue, je vais pas là. Je suis vraiment pas là. Ouais. Et c'est bon. Il fait le carap là j'imagine, Gromp. Une ping qui traîne, non? Je vais essayer de glisser une ward ici. Je pense que je fais l'IE. J'ai pas besoin d'un dernier souffle avant l'IE cette game. En soi, y a pas tant d'armure que ça, ça va. Ok, il sait que je bouge. Je peux partir en couille tellement vite. Ok, ils ont l'info. Ah ouais. Pourquoi j'ai l'aggro? Ah d'accord, je me mets des dégâts avec mon E. Le chunk que j'ai pris. Oh. Ok, il perd ses 200 d'invocateur. Ouais, j'avoue. En vrai, ce serait trop malin de tous reset et d'aller jouer le Nash. Hein. Ils ont raison. Après, j'aurais pas d'ult. Je suis un peu un creep sans ult. Cool, le Seajin. J'ai pas d'ulti, je pourrais rien en tirer.
Wouah! Wouah! Vas-y, on s'en va. Ah ouais! Je pense que c'est ok comme trade. Malzor il crame son flash en plus. C'est un 4v4, j'ai multi 2 up. Ils vont faire instant. C'est en train de catch ou pas? Ok. What? J'allais mourir du retour. Malzar a repop. Bon, ils ont le dragon malheureusement, ça fait chier. Malzar peut pas me flash. Finir. Je pense pas qu'on puisse sur un bon dépouche. Ok, il se passe des trucs. Oh ok, on peut finir, on peut finir, on peut finir. Oh. En vrai, j'ai eu une bonne team. Tout le monde a bien joué. Je vais au nord. Je sais pas, Yone. J'imagine que c'est dur de jouer. Comment? Yone contre Malzar. Elle a fait une bonne game.